catastrophique. C'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies qualifie la situation au Soudan 8 mois après le début de la guerre entre l'armée et les forces de soutien rapide. Le conflit a déjà fait plus de 7 millions de déplacés. L'ONU tire donc la sonnette d'alarme. Faute de moyens financiers, elle semble avoir atteint ses limites. La situation au Soudan, 8 mois après le début du conflit, est catastrophique. Malgré les efforts courageux de la communauté humanitaire, des partenaires, des agences sur le terrain, nous sommes toujours confrontés à des défis importants. Au Soudan, le nombre de personnes déplacées s'élève à environ 7 millions, ce qui en fait la situation de déplacés la plus importante au monde. Nous sommes donc à la limite de notre capacité à satisfaire un grand nombre de besoins dans tous les domaines. Needs across the board. Conséquence d'une guerre éclipsée par le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza. Les groupes d'aide disparaissent peu à peu. Leurs entrepôts ont été pillés et leurs travailleurs harcelés ou attaqués. Nous sommes confrontés à une population d'environ 24,7 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire. À ce jour, nous avons pu en atteindre environ 4 millions et notre objectif est de toucher 18 millions de personnes. Notre budget global, nos besoins s'élèvent à environ 2,6 milliards d'euros. À ce jour, nous n'avons reçu que 38,6% de ce montant. Le conflit entre les deux généraux qui se disputent le contrôle du Soudan a déjà fait plus de 12 000 morts selon le Armed Conflict Location and Event Data Project.